La brasse. Le crawl. Dans le fond, la tête bien penchée. Le papillon pour vrai? Dans le fond, faut que tu fasses des coups de bassin comme ça. Là, tu... J'appelle Tsunami, je suis coordonnateur adjoint à la piscine de Fatima. J'ai 20 ans et j'étudie en administration, spécialisation comptabilité. Mon activité préférée au camp est la piscine. Faut-tu qu'il y ait là-bas? Certains jours, les sauveteurs, on décide d'admettre des jeux, comme mettons, on dit on fait un gros tourbillon, des affaires comme ça, puis ça fait vraiment que tout le monde joue ensemble, c'est juste vraiment le fun à voir. Là. Je pense pas que je suis le seul qui dit ce mot-là. À Fatima, on est comme une grande famille, puis on est. Tout le monde que tu rencontres là, c'est des personnes incroyables que tu vas probablement encore parler plus tard dans ta vie quand tu vas arrêter de travailler au camp. Tu veux pas les quitter. Je me rappelle que j'allais à Fatima, juste avec mon équipe de sauveteurs. Des fois, j'avais des journées de congé, puis j'allais quand même à Fatima quand j'étais pas payé pour aller voir la gang avec qui je travaille parce que c'est juste une gang incroyable. Tu veux jamais. Tu passes ton été au complet avec, donc quand t'as des temps libres, tu viens à la piscine passer du temps avec ton équipe. Même quand j'étais pas payé, je faisais quasiment des tâches juste parce que ça me tentait puis ça me paraissait pas comme du travail. Donc c'est vraiment ça, Fatima, pour moi. Moi, mon meilleur souvenir de camp, en fait, c'est mes meilleurs souvenirs de camp, je pourrais dire, c'est à chaque début. D'été, parce qu'on a les formations de deux jours la fin de semaine qu'on passe ici. C'est vraiment des bons souvenirs parce qu'après, t'sais, on fait un petit anneau autour dans le gazon de mariage, puis on tient toute une chandelle, puis on s'allume la chandelle pour justement passer la flamme de Fatima, la flamme qui fait que t'aimes travailler ici. C'est vraiment juste un beau moment qui reste gravé dans la mémoire facilement à chaque année. En fond, j'ai fait une petite semaine en accompagnement cet été. Et un de mes enfants d'accompagnement qui m'a dit en fait que j'étais son modèle un peu. Puis veut pas, on dirait que quand tu viens travailler ici, tu t'attends pas à être le modèle d'un enfant ou de plusieurs enfants. Tu t'attends vraiment à faire ton emploi, à animer les enfants, à t'assurer qu'il y ait du plaisir. Mais tu t'attends jamais à être le modèle d'un de ces enfants-là, puis juste entendre ça, que quelqu'un il m'admirait, puis il voulait être comme moi et tout. C'est bizarre l'impact que ça fait un peu sur la personne. Donc, je te dis, c'était un moment quand même touchant parce que c'était aussi un jeune que j'appréciais grandement, que c'était ma seule expérience d'accompagnement. Mais ouais, c'était vraiment quelque chose de touchant. Tu viens à la job, tu te fais payer, puis t'as pas l'impression que t'es à la job, t'as vraiment l'impression que t'es juste là avec une gang de personnes en train de triper. Donc c'est vraiment ça, Fatima, c'est vraiment une place où t'as le droit de triper, puis que t'es récompensé pour triper avec tes enfants, parce que c'est ça qu'eux ils veulent pendant la nuit. Si tu le fais bien, c'est sûr que tu vas être récompensé. C'est vraiment un endroit incroyable. Donc.